Bogotá. Kimia ya polo Yesu pisiza na moko na moko. Que la paix du Seigneur Jésus-Christ soit sur chacun de vous. Ezala kaise momakasi komona na lisusu pona lokumwa kombo na Yesu Kristo. Cela est une énorme joie quand nous nous retrouvons encore une fois de plus pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Lelo tozali le 13 octobre 2021. Aujourd'hui, nous sommes mercredi, le 13 octobre 2021. Et par la grâce de Dieu, nous sommes en train de marcher petit à petit, selon que le Seigneur nous fait grâce. Nous rendons gloire devant le Seigneur. Parce que car celui qui nous a accordé le souffle de vie, même la force, celle qui nous permet de se présenter ici, le vouloir et le faire ne provient que de lui. Voilà pourquoi nous disons merci. Car il le mérite vraiment. Il faut apprendre à reconnaître et à louer la grandeur de Dieu. Et surtout pour affronter la mission Mayele, tout ce sont l'écriture. Et de plus de cela, car il nous a ouvert l'intelligence afin de comprendre les saintes écritures. Cela est une énorme, gigantesque chose dans ta vie. Oyez ma parole. Connaître la parole. À ça, la mon amour, nous sommes. Il ne le fait jamais à quiconque. Les messages nakata Jéricho. Les messagers dans Jéricho. Tango bakendeki na outa bay Josué Zalaki. Quand ils ont été envoyés pour explorer la ville de la part de donc des par où Jésus était, atinda bango secrètement. La Bible fait mention que Josué les avait envoyés de manière secrète. C'est Josué 2 verset 1. C'est dans Josué chapitre 2 au verset 1. Secrètement. Donc, cela veut dire que ce n'est pas tout le monde qui devait le voir. Un peu de temps, le monde ne me verra plus. Voilà pourquoi Jésus avait l'habitude de dire un peu de temps, le monde ne me verra plus. Mais vous, vous me verrez. Amen. Parce que je serai en vous. Amen. C'est ça secrètement. C'est ce qui veut dire secrètement. Le Seigneur a yokofana na kati na biso. Donc le Seigneur est venu cohabiter avec nous. C'est une grande grâce. Ça c'est une grande grâce. Zangolo munene. Amen. Zotaka texte na biso toujours na troisième saut. Nous lisons toujours notre texte dans les troisième saut. Verset 5 et 6 et Apocalypse 6. Verset 5 et 6 d'Apocalypse chapitre 6. Quand il ouvrit le troisième sceau, Tango afungola kindanga ya misato, j'entendis plutôt le troisième être vivant qui dictait, Nayoka kekelamu na misato abomo ya zalaki koloba, viens, yaka. J'ai regardé, Talaki, et voici Paris un cheval noir. Tala punda mwindo abimaki. Celui qui est monté tenait une balance dans sa main. J'entendis au milieu des quatre êtres vivants qui disaient une mesure de blé pour un denier et trois mesures d'orge pour un denier. Mais ne fait de mal à l'huile et au vin. Et Dieu bénisse les lieux. Ah. Et Zali,
Eloko kitoko, eloko malamu kozala tout autour de la parole de Dieu. C'est vraiment une bonne chose que de se retrouver tout autour de cette parole de Dieu. Ma joie ezalaka tant on azoka la parole. Ma joie se manifeste que lorsque j'écoute la parole. Nde le Seigneur alobaki. Marthe, t'inquiète pour beaucoup de choses. C'est pourquoi le Seigneur s'adressait à Marthe pour lui dire que Marthe, tu t'inquiètes pour beaucoup de choses. Marie a choisi la bonne part. Amen. On a qui était bien qui tombe. C'est-à-dire Marie avait choisi la bonne part. Oye kolongwa kate. Celle qui ne lui sera jamais ôtée. Il y a une part qui existe qu'on ne peut jamais ôter. C'est recevoir la parole. Amen. Hosanna parole. Lorsque tu possèdes la parole, sache que tu as un grand trésor. Les choses ici, nous les démontrons surtout. Pour nakoye balolenge oyo le diable a travaillaka. Pour savoir comment le diable travaille dans l'iniquité, dans la ruse. D'une manière mystérieuse. C'est pour que tu comprennes cela et que cela te préserve en tant qu'enfant de Dieu. Et en le cheval noir. Voilà pourquoi lorsque nous regardons le cheval noir, chaque cheval, nous avions dit que chaque cheval, quand nous le regardons, sa couleur, ça montre ou démontre le travail qu'effectue le cheval et son cavalier. D'abord que cheval y a et nous avions montré d'abord que le cheval en soi. Dans Proverbe 21, verset 31. Dans Proverbe chapitre 21, au verset 31. Il a la capona bitumba. Le cheval est fait pour la bataille. L'ingé moko tanto banaki l'introduction y a cette zone. De la même manière quand nous avions débuté l'introduction de cette zone. Nous voyons que les livres où ils allaient qui ouvert puis les livres fermés. Nous avions parlé sur les livres ouverts ainsi que fermés. Et nous l'avions prouvé que Dieu parle de plusieurs manières. Seigneur a passé qui Israël la parole. Dieu avait donné à Israël sa parole. Roloana, ils allaient aussi considérer comme un livre. Et cette parole était considérée comme tout étant un livre. Mais tant qu'on a passé qui est sur la montagne, à cela qui montagne, tombera quand. Lorsqu'il l'avait donné sur la montagne, il avait scellé même la montagne, nous l'avions parlé ici. C'est dans Exode chapitre 19. Et dans cette parole, tout ce que Dieu avait donné, et nous avions fait mention de Deutéronome chapitre 20, qui disait que tu verras des chevaux. Quand tu te pointeras pour la guerre. Mais le Seigneur a lobi que kolenga te nombre ba chevaux. Et le Seigneur avait adressé la parole à Israël que quand tu verras ces chevaux là, ne tremble pas devant eux. Okobeta kelelo. Tu sonneras plutôt de la trompette. Pour avoir un souvenir ya makambo Israël qui na Égypte. Pour effectivement avoir le souvenir de tout ce que de tout ce qui s'était passé en Égypte. Donc tant que Israël était là bas chez vous. Alors, lorsqu'Israël regardait les chevaux, Deutéronome 20, verset 1 à 6, Deutéronome 20, verset 1 à 6, le Seigneur a dit que tant qu'on met ta trompette, on se souvient de ma campagne Israël et Maïkina Égypte. Le Seigneur avait dit à Israël que quand tu sonneras de la trompette, tu te rappelleras de tout ce qui s'était passé en Égypte. Maintenant, lorsque nous ferons un regard vers l'Égypte, nous aurons remarqué d'abord. La délivrance est acquise par la mort de l'agneau. Nous remarquons que la délivrance était provenue quant à la mort de l'agneau. Israël est sorti le même. Amen. Israël a bimi dans ma boko à tomboli pour les singo. Israël était sorti les mains levées dans la joie. Oyazala qui comme roi de l'Égypte. C'est lui qui était comme le roi de l'Égypte. Natawana yenda zalaye comme le roi puissant sur la terre. En cette époque-là, c'était lui qui était comme le roi puissant sur la terre. Donc Azalaki comme couronné.
couronné. Autrement dit, il était couronné. Pharaon Zalaki au-dessus de toutes les nations. Et Pharaon était au-dessus de toutes les nations. Donc Zalaki mentionne, oh, aux nations, ils au-dessus des autres nations, ils comme un serpent. Et nous avions démontré que la nation qui est la plus élevée est considérée aussi comme étant les serpents. Tout personne qui était le péto. Nous avions donné des écritures et nous avions répété cela encore. Isaïe 14, verset 29. Nous avions donné Isaïe chapitre 14, au verset 29. Jérémie 8, verset 17. Même Jérémie chapitre 8, au verset 17. Jérémie 46, verset 20 à 22. Nous avions donné aussi Jérémie 46, le verset 20 à 22. Même Jérémie 51, verset 34. Même Jérémie 51, le verset 34e. Donc, topé ça, Isaïe 14, verset 29. C'est-à-dire, on reprend. On avait donné Isaïe chapitre 14, le verset 29. Voilà, on t'a dit ça, ma puissante nation comme les serpents. Pour montrer que les puissantes nations sont comme des serpents. Topé ça aussi, Jérémie 8, verset 17e. On avait donné également Jérémie chapitre 8, le verset 17e. Topé ça, Jérémie 46, le verset 20 à 22. On avait donné Jérémie 46, le verset 20 à 22. Même Jérémie 51, verset 34. Même Jérémie 51, le verset 34e. On a besoin de présenter puissantes nations comme un serpent. Et là, on nous présente dans ces écritures-là les puissantes nations comme des serpents. Et là, Jérémie 51, verset 34. Jérémie 51, le verset 34. On a besoin de présenter les rois ou les alliés puissants comme dragons. On présente le roi qui était la puissante nation comme étant les dragons. Ce qu'est Isaïe 14, au verset 12. Même quand tu parles dans Isaïe 14, au verset 12, on en parle aussi. Ces écritures dont je parle ici, j'en ai autant répété. Donc, je suis en train de parler de la sorte parce que quand je dois tenir un frère là-bas, il va me le donner facilement. C'est pourquoi je répète plusieurs fois. C'est pour dire que le frère est présent. C'est comme quand je venais de répéter ça des fois. Je vais dire à un frère, tiens-toi debout. Quelles sont les écritures que je venais de donner maintenant là? Mon problème, c'est qu'il faut que l'église ait la formation. Mon problème est que tu saches que l'église est un lieu de formation. Donc, pour quiconque, il faut être capable de transmettre le aujourd'hui, même de témoigner quelque part. Il faut avoir l'amabilité de témoigner ce que tu as compris ici quelque part. C'est très important pour C'est très important pour quiconque. Parce qu'il faut être capable de colober la foi aux anamos. Parce qu'il faut être en mesure quand même de témoigner de ta foi que tu possèdes. La foi, enseignement. Amen. La foi, ce n'est pas dire j'ai la foi. Non, la foi, c'est l'enseignement. La foi vient de ce qu'on entend. Amen. Ce qu'on entend, c'est la parole de Christ. Amen. Donc, tant que le ministère est là, comme ça, pour qu'on a unité à foi. Donc, quand on dit que le ministère fait le travail de sorte que nous atteignons l'unité de la foi, donc, il y a un même enseignement. Cela veut dire que nous tous, nous devons avoir les mêmes enseignements. Tant que le but que les dons ils font à la et ça les bancs, mon salaire à don et ça les ma colanda condiment. Quand on dit que les dons de foi doivent travailler, les dons doivent travailler en analogie d'après la foi. Donc, cela veut dire que les dons ils font cela selon l'enseignement. Cela veut dire que les dons doivent travailler en rapport avec l'enseignement. Mais là, souvent, on a enseignement foi. Mais là-bas, on parle de l'enseignement comme la foi. Il faut comprendre que foi, nous allons pas comparer à un grain. Il faut savoir d'abord que Dieu compare la foi comme étant un grain. Aux huit grains. Quand tu prends les grains. Et on va l'isolo nion se cobeta nanzete zanagatambuma. C'est-à-dire que tout ce que tu parleras de l'arbre, les parties qui constituent l'arbre, se trouvent en réalité dans les grains. Bah récolte nion se posa nanzete wanezanambuma. Toutes les récoltes dont vous effectuerez se trouvent en réalité dans les grains. Toutes les années, autant d'années que vous ferez des récoltes, se trouvent dans les grains. Jésus-Christ a dit que si vous avez une foi comme un grain de sénévé. Ces grains-là, c'est ce que Jésus avait dit, que si vous avez les grains comme
Et la foi, plutôt comme les grains de sénévé. Donc les grains contiennent tout. Amen. C'est pourquoi la foi, c'est l'enseignement. Évidemment. Amen. Il faut comprendre la Bible. Il faut que tu comprennes la Bible, la manière dont elle est structurée. C'est pourquoi lorsque quelqu'un abandonne cette parole, il a abandonné la foi. Amen. On dit qu'il a abandonné la foi. Cela veut dire que la personne a finalement abandonné l'enseignement. Que Dieu bénisse. Amen. Donc, tant que tu as dit ce qu'il y a, non? Et lorsque nous avions parlé de la sorte, tout le monde qui cavalier qui est Pharaon à matin à cheval. Et nous avions remarqué les cavaliers qui étaient Pharaon qui était, et puis il était monté sur le cheval. Et une armée d'élite. Et avec son armée derrière lui d'élite. Azolanda Israël. Qui poursuivait Israël. Mais qu'est-ce qui se passe-t-il? Maintenant, qu'est-ce qui s'était passé? Le Seigneur a payé à Israël victoire à la mer rouge. Le Seigneur avait accordé à Israël la victoire à la mer rouge. Maintenant, les livres. Alors les livres que Dieu avait donné à Israël, Deutéronome 20, en soi se trouve Deutéronome chapitre 20, qui dit que quand tu verras des chevaux, regarde seulement la situation qui s'était passée en Égypte. Or, les choses qui s'étaient passées là, nous voyons. Les rois puissants de la terre, Azagili Kola Cheval. Les rois puissants de la terre, Pharaon, étaient sur le cheval. Mais il faut croire que tant que Matagina Cheval, Aza faible. Mais il faut croire d'abord que quand il était monté sur le cheval, il était faible. Bon anime. Pourquoi? Jour et mort et agneau. Parce que le jour de la mort de l'agneau, son premier né de Pharaon était mort. Simbango malamu. Saisis cela très bien. Amatan à cheval. Pharaon était monté sur le cheval. Après la mort, ya moana naie. C'était après la mort de. Donc moana liboswa Pharaon a kufaka. C'est-à-dire après la mort de l'agneau, le premier né de Pharaon était mort. Maintenant, mutaso expliqué biso moana liboswa sa Jacob. C'est lui qui nous explique les premiers nés de Jacob. Lorsqu'il a vu Ruben, il a dit Ruben, impétueux comme les eaux, impétueux comme des eaux. Ozali vigueur nangai, makasi nangai. Et toi Ruben, tu es ma vigueur, ma force. Donc premier né azalaka vigueur du père. Le premier né donc, il est la vigueur du père. Azama kasi atata. Il est la force du père. Soki Israël azalaki kobimana noté avant mort agneau. C'est-à-dire si Israël ne sortait pas avant la mort de l'agneau, azalaki po premier né azalaki nanu vivre. Amen. C'était que parce que le premier né de Pharaon existait encore. Tant que premier, parce que premier né de futur premier né tari saka kasi atata. Tout simplement que la définition du premier-né parle de la force ou la vigueur du père. Et donc, il faut évoquer ma casse à Pharaon et ce qui n'est moi en fausson. C'est-à-dire la force de Pharaon se trouve en réalité dans son premier-né. Et ça aujourd'hui, c'est comme aujourd'hui. Nous sommes en Jésus-Christ, c'est premier-né. Tel que nous voyons Christ comme étant le premier-né. C'est pourquoi la Bible, lui, il est assis à la droite du père. Amen. Donc ils ont été affamés dans le bon camp mobile à Tata. Donc Tata fendit pour le bon camp mobile à Tata. Ce n'est pas une façon d'imaginer que Jésus est assis à la droite du Père. Le Père est assis là-bas, alors Jésus est assis à la droite du Père, non? C'est parce que le ciel ne peut jamais le contenir. Amen. Zola Namana. Tu écoutes très bien. La droite du Père, c'est la force. La droite du Père parle en réalité de la force. Quand on dit qu'il est assis à la droite du Père, c'est-à-dire la force du Père pour la remarquer, cela se trouve dans le Père. Dans le Fils. De la même manière, du côté de l'ennemi, la force de Pharaon s'est trouvée dans son premier-né. Maintenant, tant que la maison d'Israël est vomi agneau, alors lorsque la maison d'Israël avait tué l'agneau, la force de Pharaon était écroulée et tombée. Le premier-né tombe. Donc, qui a attaqué le cheval? Jusqu'à au temps où il était monté sur le cheval. Pour poursuivre Israël vers la promesse. Afin de poursuivre Israël qui partait vers sa promesse. Il était faible. Pharaon était faible. Bonne année. Pourquoi? Premier n'a pas fait déjà. Parce que son premier était mort. Réalité. Maintenant nous connaissons la réalité de Christ la chose. À la croix a dépouillé toute domination. Amen. Toute autorité. Amen. A écrasé les diables.
Attends, en plein marche. Même si nous sommes en pleine marche. Et que l'ennemi a son chevauché à son endabiso. Bien que l'ennemi chevauche en train de nous suivre. Il faut confesser que nous sommes plus que vainqueurs. Amen. Il faut confesser que nous sommes des plus que vainqueurs. Par le sang de l'agneau. Amen. Le fait que le sacrifice soit remarqué. Le fait que le sacrifice a été fait. Nous sommes kabalongi. Nous sommes plus que vainqueurs. Que Dieu te bénisse. Amen. Donc, c'est que, na kati na yango, c'est-à-dire, en tout cela, ce livre-là, ce qui va fongoli yango, ce livre, dès qu'il est ouvert, bazo tanga Deutéronome 20. On lit aussi Deutéronome 20 dans ce parmi les écritures, parmi les écritures qu'on peut lire dans ce livre. Il voit des chevaux qui chevauchent. On voit arrêter des chevaux qui chevauchent. Et tout à l'issaki, et nous avions montré que tango, Arménios au pharaon et Zindi. Que lorsque toute l'armée des pharaons fut engloutie par les eaux, Moïse a yembeli zamba tato li zambé. Moïse chanta pour le Seigneur. Na Exode 15. C'est dans Exode chapitre 15. Olé atanga mapinga nyoso. Au lieu de faire la lecture de toute l'armée d'élite de pharaon, atanga ba chevaux et bélé. Au lieu qu'il fasse la lecture de tous les chevaux. Azomona ba chevaux nyoso na kata cheval moko. Mais lui de son côté voit tous les chevaux nombreux là dans un seul cheval. Azomona aussi mon bamati punda nyoso na kati ya mumati punda moko. Et il ne voit que tous les cavaliers dans un seul cavalier. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Amen. Donc ce qui tout le monde n'a pas dit, c'est 4 chevaux. Donc si nous voyons dans Apocalypse chapitre 6, 4 chevaux, ils achèvent moko. En réalité, cela ne nous parle que d'un seul cheval. Parce que nous avions regardé là-bas dans le mouvement, et c'est éliminé Exode 15. Dans le mouvement qui s'est passé dans Exode chapitre 15. Dieu bénisse. Amen. Total ici aussi. Alors nous avions fait voir aussi que balangi oyo ya ba chevaux dans Apocalypse 6, que les différentes couleurs des chevaux dans Apocalypse chapitre 6, et ça misala zali ko sala. Cela parle en réalité du travail du cavalier. Dieu bénisse. Amen. Tozwaki déjà na kata koloba na biso. Nous avions pris déjà dans notre langage. Total ici d'abord cheval blanc. Nous avions parlé d'abord du cheval blanc. Katagoloba sur cheval blanc. En parlant sur le cheval blanc. Qu'on confondre yango te na cheval blanc en Apocalypse 19. Il ne faut pas confondre le cheval blanc d'Apocalypse 6 avec celui d'Apocalypse chapitre 19. Apocalypse 19, cheval blanc, vraiment, le Seigneur a mati na cheval na ye. Dans Apocalypse chapitre 19, en réalité, c'est le Seigneur qui monte sur son cheval. Et cheval na ye, ils allaient peuple y a justifié. Son cheval, en réalité, c'est son peuple que lui a justifié. Là, la manière dont le Seigneur nous aidera, quand on en parlera dans la suite des temps par rapport au saut. Là, nous prendrons Zacharie chapitre 10. Là, dans l'ère d'Armageddon. Et là, quand nous atteindrons l'heure d'Armageddon, nous parlerons aussi dans Zacharie 10, verset 3e. Parlerons sur Zacharie chapitre 10 au verset 3. Nazotanga yango si aujourd'hui. J'ai lu cela d'abord aujourd'hui. Zacharie 10 verset 3. Amen. Ma colère s'est enflammée contre les pasteurs. Ma colère s'est enflammée contre le pasteur. Kanda nanga est péri. Et j'ai châtié les boucs. Car l'Éternel des armées visite son troupeau. La maison de Juda. Et il en fera comme son cheval. Des gloires dans la bataille. Apocalypse 19. J'ai donné simplement l'écriture lorsque nous en parlerons dans Apocalypse chapitre 19. Donc il utilise Juda, la maison de Juda comme son cheval. Donc Dieu utilise la maison de Juda comme son cheval. Amen. Là c'est le cheval qu'on utilise dans Apocalypse 19. Là c'est le cheval que le Seigneur viendra utiliser dans Apocalypse chapitre 19. C'est tout un peuple lavé. Le cheval là veut dire tout un peuple qui est purifié. Obéissant à ses pélines.
C'est-à-dire, ces peuples-là dont le Seigneur s'est réjoui d'eux. Comme il dit ça qui Pierre. C'est comme il avait parlé à Pierre. À Tarsi Pierre dans une vision. Il a montré à Pierre dans une vision. À Tarsi na bizuta li kolona banyama oyoyo ba Israël bazana ikoliate. Il lui a fait voir dans cette vision-là une nappe qui possédait toutes les reptiles que Israël ne consommait pas. À Ebisie Tie mange. Et il dit à Pierre d'en manger. Et Tie mange. Pierre a le bien tout cas. Nana lia yeloka moete. Pierre, en tant qu'Israélite, dit qu'en tout cas, moi, je n'ai jamais une chose pareille, n'est jamais rentrée dans ma bouche. Mais le Seigneur lui dit ce que moi, j'ai déclaré pur. Le Seigneur lui avait dit que ce que j'ai déclaré pur. Toi, Pierre, là, tu ne le verras pas impur. Même si tu verrais cela impur, mais quand tu as déclaré pur, il faut manger. C'est fini, la chose est devenue pure. Dieu d'Azali. La dernière parole dans les Cambodgiens. C'est Dieu qui possède la dernière parole dans toute situation. Même dans ta situation, même dans ton problème. À ta bateau malombaki, ce qui bateau mabota, ou bien bateau mamabé ou malobini comme ta ouyokiamo. Même si les gens avaient parlé de ta famille, de tes connaissances et que tu les apprendrais, il faut tourner à Eskazan Zambé. Pose-toi simplement une petite question. Est-ce que cet homme-là est-il de Dieu? Parce que dernier mot, il a la gamme des âmes dans la carte. Nous connaissons que le dernier mot se trouve dans la bouche seule de Dieu. Il faut avoir cette conviction. Quelqu'un peut déclarer que tu ne réussiras pas dans cette affaire. Mais à sa dernière montée, il ne possède pas le monopole du dernier mot. Ta vie entre le médecin. C'est le Dieu de grâce qui a saisi Boumouin. C'est le Dieu de grâce qui a saisi ta vie. D'être tout à l'heure. C'est alors que quand nous regardons ici, tant que ton moni blanc, lorsque nous voyons la couleur blanche, ton œil te comprend. Nous voudrions comprendre. Ce qu'on suit Matthieu 17, verset 2 et 1. Quand tu prendras Matthieu chapitre 17 au verset 2, Jésus-Christ était à la montagne. Jésus-Christ, quand il était sur la montagne, Balobi et Longinaye Ngalaki, Bongwamaki. La Bible dit que son visage s'était transfiguré. Omakome, Bembe loko la lumière. Était devenu brillant comme la lumière. Donc, Bapé s'y coulait la lumière. Donc, on donne la couleur. La définition de la couleur. Blanche. Que la couleur, la lumière a une couleur blanche. Que Dieu bénisse. Amen. Maintenant, la lumière, c'est la parole. Et la lumière, c'est la parole. C'est ça même la parole de Dieu. Mais il faut y Il faut savoir que je vous avais parlé. Par rapport à la promesse qui est dans Genèse 3, 15. Par rapport à la promesse qui est dans Genèse chapitre 3, au verset 15. Seigneur a émis sa serpent. Le Seigneur avait parlé au serpent. Que la postérité de la femme a pu écraser la tête du serpent. Que la postérité de la femme écrase. Si la postérité de la femme écrase la tête du serpent, c'est-à-dire le sang du serpent va couler. Et le serpent va mordre le talon. Et le serpent va mordre aussi le talon de cette postérité. Et donc ce qui a mordre le talon, une fois que le serpent aura mordu le talon, qu'il a fait la postérité.